Salut tout le monde, c'est Lestro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour vous présenter une arme gratuite qui était offerte pendant la Tenocon et il s'agit des Verycress. Avant de commencer, je tenais à vous préciser que le giveaway pour Cora Prime est toujours actif sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitter, vous avez le lien de Twitter en description. Pour participer à ce giveaway et tenter de remporter Cora Prime. Si on s'intéresse donc au Verycress hein, qui nous incombe aujourd'hui, les stats de niveau 0, on va dire, sans mode, sont plutôt ok. On est à 22% en chance de critique, 20% en chance de statut, x2 pour le meilleur critique, classique. Au niveau des dégâts, on va dire que c'est correct, une arme offerte, hein, on va pas donc faire les gros difficiles. Et autrement, les stats de l'attaque lourde sont plutôt corrects. On notera quand même la présence d'un bon taux de tranchant, ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet facilement de faire du haut niveau. Hein, le tranchant, vous savez, hein, c'est la stat qui va torcher la vie de votre adversaire le plus vite possible pour chaque stack que vous allez placer le tranchant de votre adversaire. Donc très pratique d'avoir un bon taux de tranchant. Mais surtout, des stats équilibrées en statut et en critique permettent d'en faire une arme hybride. Relativement sympathique et c'est ça que je propose aujourd'hui hein. Le build est hyper classique, on va pas aller chercher midi à 14h, c'est hyper simple. Le premier mode que vous pouvez en fait changer, hein, grosso modo vous serez tous à la bonne place. Celui que vous pouvez changer en revanche chez Vise du Gladiateur, vous estimez que vous n'avez pas besoin des 10% de chance de crit parmi les autres combos, vous pouvez utiliser Fury accrue, ce qui permettra d'avoir une plus grosse vitesse. Donc de mettre plus facilement vos stacks de tranchants sur vos adversaires. En termes de statut, on va utiliser le corrosif, hein, donc la maison du poison et de l'électricité, qui est efficace contre l'armure. Regarde, merci, j'adore la description, des fois ça m'éclate. Qui peut supprimer l'armure de la cible, c'est ce qui nous intéresse ici. Son armure pour les tuer plus facilement. Vous savez évidemment qu'avec le tranchant, le viral va extrêmement bien. Vous pouvez enlever le corrosif et passer sur un build viral, donc vous enlevez coup voltaïque. Et à la place, vous mettez un petit gel vicieux et vous vous retrouvez avec un magnifique viral, donc dégâts sur la santé. Et ça fonctionne parfaitement bien. Au niveau du reste, on va utiliser plume tranchante comme posture hein, pour l'éventail de guerre. Donc c'est la posture de base, hein, celle qui était vendue avec les premiers éventails de guerre qui sont sortis. Ensuite, vous avez évidemment du critique, on l'a vu, hein, elle a quand même 22% de chance de base, ce qui est pas le top du top, mais c'est pas dégoûtant non plus. Donc on va utiliser coup de sang et acier sacrificiel pour un max de chance de crit. Ça, c'est de base. Ça va se superposer aux 70,4% qui sont ici. Au fur et à mesure que votre compteur de combo va monter. Point de pression accru pour plus de dégâts, ou parfois défaut au Verycress. Et enfin, fracas d'organes pour les dégâts critiques. Maintenant, on l'a vu qu'on utilise un double statut. Bonne chance de statut, pardon. Donc, on va pouvoir utiliser surcharge d'état qui va donner 80% de chance de dégâts en mêlée pour chaque type de statut affectant la cible. Pour faire ça, on va pas seulement se reposer sur les Verycress. Vous voyez que j'utilise Oberon. On va vous présenter le build d'Oberon aujourd'hui. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais Oberon, grâce à ses fleurs, permet des dégâts de radiation, ce qui fait un dégât supplémentaire. Et ensuite, nous avons bien évidemment notre petit Cuvanucor spécialisé dans les dégâts. On a donc de l'agonie perpétuelle, un pistolero. Et on a des dégâts de statut. On a du feu, de radiation et du corrosif. Si on voulait être 100% pixel, et ben on enlèverait le corrosif et on mettrait du viral à la place ou du magnétique. Peu importe. Mais en tout cas, il nous faudrait un statut de plus. N'oubliez pas le chercheur sur votre Cuvanucor, c'est très pratique pour augmenter le nombre d'ennemis touchés. Sorcier de l'augure pour la durée de statut, agonie perpétuelle pour la durée de statut, pistolero pour la cadence de tir, hein, plus vous tirez vite, plus vous placez vos statuts rapidement. Division galvanisée pour plus de tirs multiples, pour le toucher plus d'ennemis à la fois. Vous pouvez aussi rajouter tir galvanisé comme une chance de statut, mais avec le Cuvanucor c'est pas très intéressant, vous avez déjà 140%. Et pistolet, une munition de pistolet pour avoir un max de munitions. Là c'était un prototype, donc c'était l'exocharge Cascadia, sinon vous pouvez tout à fait utiliser votre votre dextérité secondaire qui va augmenter votre durée de combo, vous permettre de dégainer plus rapidement. C'est excellent, et vous avez évidemment
peut faire les prototypes, hein, les tests avec la flamme Cascadia, et les tests à faire éventuellement. Enfin voilà. Après le reste, on perd un peu l'idée du build, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas, vous placez vos statues tranquillou bilou avec ça, ou avec votre Warframe préféré, si vous jouez une Amber pour les dégâts de feu, si vous, ce genre de choses. Oberon ici pour les dégâts de radiation. Vous êtes tranquille, vous placez vos statues, vous prenez vos Véricress, et c'est la foire à la saucisse. Vous déglinguez tout ce qui bouge, c'est plutôt rapide, ça a une bonne portée correcte, donc très efficace. C'est une arme que j'aime bien. C'est pas le meilleur éventail de guerre du jeu, hein. Vous avez par exemple les Cassus qui sont meilleurs, et vous pouvez obtenir sur Deimos, mais ça reste quand même très bon. Voilà. C'est sur ceci que nous allons terminer la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez vu un petit peu ce que vous pouvez faire avec cette arme qui vous était offerte, on va pas se priver d'avoir des armes offertes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'arme en elle-même, et en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.